John Constable, c'est certainement le plus anglais de tous les peintres, dans la mesure où toute sa démarche artistique est de rendre compte de la beauté du paysage anglais, et peut-être même encore plus de son paysage à lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le paysage de Constable, les domaines où il a vécu dans le Suffolk. Le tableau du Louvre, qu'on appelle le Vallon d'Elmingham, c'est un très très bon exemple, un des plus beaux d'ailleurs, de la démarche de Constable, qui se veut un peu l'historiographe de son territoire, de son pays, de son paysage. Elmingham, c'est un parc d'amis, de mécènes de Constable, qui connaît très bien, qui visite depuis de nombreuses années. Et au début même de son parcours artistique, dans les années 1800, il a fait ses premiers paysages peints et ses premières études de paysages dessinés à Elmingham. Des années plus tard, vers 1825-1830, il va revenir sur ce motif et faire plusieurs variations. Et le tableau du Louvre est une des plus grandes et aussi peut-être le plus nerveux, la plus esquissée. C'est peut-être aussi le plus structural et le plus romantique. Il me semble, quand on voit le tableau, qu'il a quelque chose d'une sorte de cathédrale gothique naturelle, quelque chose de très architectural. Et en même temps, sa tonalité est plus sombre, comme une cathédrale un peu hantée, visitée. Et c'est peut-être ce qu'on peut voir dans le tout petit détail sur la gauche du tableau de la jeune paysanne avec son enfant, comme ça, qui semble un tout petit peu absorbé par ce paysage qui a quelque chose d'un peu familier et fantastique en même temps.